moi, je suis chercheur à l'INRIA, donc et aussi au LIG. Donc, contrairement à tous les autres intervenants précédents, je vais essayer de vous vendre quelque chose. OK. Vous allez voir, mon exposé va être un petit peu échevelé. Je pense que je vais essayer de réagir à un certain nombre de choses que j'ai vues. Mais je ne vais aussi pas parler totalement de big data. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors, on vient juste de parler de données ouvertes, et je pense que je vais parler de ça aussi. Donc, les masses de données brutes, c'est un peu ma façon de traduire ce que j'ai entendu parler de... c'est un peu ma façon de traduire big data. Et je vais parler de choses effectivement un peu techniques. L'utilisation des technologies du web sémantique pour publier les données, on vient d'en parler, des données liées. Alors pourquoi ? Je vais essayer de vous dire pourquoi plutôt que de vous présenter les transparents. Parce que pour moi, un aspect de big data, c'est effectivement beaucoup de données brutes et puis des algorithmes. D'accord ? Et en fait, c'est pas magique parce que beaucoup de données brutes et des algorithmes, ça va vous donner des diagrammes avec des bulles, ça va vous donner des graphes, des tas de choses comme ça, mais ça va pas vous permettre vraiment de savoir qu'est-ce que vous cherchez dedans, sauf si vous le savez. Si vous savez que vous êtes dans un aéroport, que vous avez des gens qui passent et que vos traces sont des traces de téléphone, ben oui. Mais là, vous commencez à aller un petit peu dans les données qui sont disponibles et dans la description de ces données. Et donc, je vais vous parler des technologies du web sémantique, à la fois pour profiter des données des autres, par exemple des données qui ont été publiées par la ville de Grenoble, d'accord, et puis aussi eh bien, pour aider les gens à publier leurs données, par exemple pour que la ville de Grenoble puisse vous les mettre à disposition. Et puis, je ne vais pas passer très longtemps. Donc ça, c'est une application qui vient d'un projet auquel je ne participe pas, mais des collègues à l'INRIA participent, et puis peut-être certains d'entre vous, qui s'appelle Datalyze. Et dont le but est effectivement Big Data et Analytics. Donc ces données viennent de la ville de Grenoble et elles ont été données d'une manière un peu particulière parce qu'elles sont publiées sous forme de fichiers CSV. Et donc elles ont été interprétées, retraduites pour pouvoir les visualiser. Donc il s'agit des incidents qui sont connus en particulier de la municipalité. Donc il y a des travaux quelque part, il y a un problème dans ma rue avec une partie qui est décelée. Ici, on a des problèmes avec des poubelles qui débordent, par exemple. Ça, c'est communiqué aux services de la ville et les services de la ville doivent les traiter, c'est-à-dire que quand ils les reçoivent, ils doivent les dispatcher aux services compétents et le service compétent doit le traiter, puis ne fait pas forcément le retour vers les gens qui maîtrisent ces données. Donc le but, c'est à la fois d'être capable de les comprendre, de les visualiser pour que les services soient un peu plus efficaces, mais aussi pour que les citoyens puissent donner leur avis, signaler d'autres problèmes ou signaler qu'ils ont été repérés. Et donc pour faire ça, ce qu'ont fait mes collègues, c'est bien sûr pas uniquement d'utiliser un fichier CSV, parce que ça ne nous dit pas où est-ce qu'on va, on va présenter les incidents sur la carte, mais c'est d'être capable de comprendre ce qu'il y a dans le fichier CSV, et ce n'est pas si simple que ça, d'être capable de localiser en fonction des informations qui sont disponibles l'endroit où le problème se pose, et d'être capable de le restituer. Et bien sûr, on a parlé de l'aspect temps réel. L'idée, c'est de ne pas faire ça toutes les nuits, c'est effectivement de pouvoir suivre en temps réel l'ensemble de ces incidents. Donc les données là datent de 2013, donc maintenant ils ne sont peut-être plus en CSV, je ne sais pas. Donc comme je vous avais dit, c'était assez échevelé, donc je passe d'un transparent à l'autre. Donc pour faire ça, on a utilisé effectivement les technologies qui sont développées pour le web sémantique, dont je vais parler un peu plus tard. Ces technologies sont effectivement utilisées pour faire de l'open data structuré. Donc chaque boule que vous voyez ici, dans ce graphe, c'est une source de données. D'accord ? Et les couleurs représentent les disciplines dont elles viennent. Donc, est-ce que je vais m'amuser à détailler ça ? Par exemple, tout ça, ça vient des sciences de la vie. Donc typiquement, on a énormément de données en médecine qui est structurée, qui est disponible sur le web. D'accord ? Donc on peut
se demander quel médicament guérit quoi et comment et quelle molécule est active dans ce médicament. C'est des questions auxquelles on peut parfaitement répondre avec ce type de données. Donc on a des données gouvernementales qui sont celles en vert, des données géographiques, on en a très peu parce que c'est assez bien maîtrisé maintenant, des données statistiques et des données de publication aussi. On va voir qu'il y a beaucoup de choses dans les bibliothèques parce que c'est des gens qui manipulent des données. Donc chaque boule est une source de données. Et chaque trait qu'il y a derrière les boules, vous voyez ce fond noir qui est derrière, ce sont des liens entre ces sources de données. Donc c'est le but de l'aspect données liées ou link data, c'est d'être capable de faire la connexion entre une protéine et un gène qui code pour cette protéine, par exemple. D'accord ? Entre je sais pas quelle, une publication et l'endroit géographique où elle a été émise, par exemple, des choses comme ça. D'accord ? Et donc chaque trait est un ensemble de liens entre les données qui sont disponibles. Donc là, vous voyez une énumération du type de données disponibles. Il y en a énormément. Donc effectivement, les transparents seront disponibles. Donc je ne vais pas vraiment détailler. Nous, on a travaillé en France en particulier avec l'INSEE, donc qui publie des données statistiques, ce que je vais présenter un petit peu après aussi, avec l'IGN, donc qui publie des données géographiques, mais elles sont là aussi. Et c'est typiquement le genre de données qui est disponible. Et donc pour ça, on utilise des technologies qui ont été élaborées, qui permettent d'une part d'utiliser des formats standards pour publier ces données. On a un langage qui s'appelle donc ils ont été standardisés par un organisme qui s'appelle le W3C, qui est l'organisme qui s'occupe des standards du web. D'accord. Donc RDF, ça permet de publier des données sous forme de graphes. On va vous présenter rapidement comment ça se passe. OWL, ça se permet de décrire le vocabulaire qui est utilisé dans ces graphes. Hein, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas juste d'avoir des données et de savoir que la population d'une ville est de 450 000. Mais de savoir qu'est-ce que ça signifie population et qu'est-ce que c'est qu'une ville et à quoi ça correspond dans une autre source de données, par exemple. Sparkle, c'est un langage de type SQL qui permet de poser des requêtes sur ces données. Donc on peut interroger les sources de données qui sont disponibles dans ce nuage que vous avez vu précédemment. Donc on a des formats standards pour publier ces données, donc à la fois les vocabulaires et les données elles-mêmes. Ça permet de documenter ces données en publiant les métadonnées, hein, publiant les vocabulaires. On peut aussi publier des données de provenance ou des données de licence par ces mêmes mécanismes. Et puis, ça permet de les contextualiser parce qu'il est beaucoup plus intéressant, typiquement, donc dans les données, par exemple, de bibliographiques, d'être capable de faire une référence à un auteur par un biais un peu universel. D'accord ? Donc les bibliothèques nationales disposent de descriptions des données, et par contre, elles ont mis ensemble, en commun, un référentiel qui s'appelle le VIAF, qui permet d'identifier les personnes qui ont été auteurs d'ouvrages. Et on peut ainsi passer d'une bibliothèque nationale à une autre simplement par ce biais. Donc ça permet de... donc on a ce genre de mécanisme. Contextualisé, ça peut être, au lieu d'utiliser votre manière de décrire un pays, d'utiliser une manière un peu plus standard, en faisant référence à un référentiel qui existe, qui a été développé par l'ONU, par exemple, des choses comme ça. Donc le but des données liées, c'est pas juste de publier les données. Alors on parle de publier. Mais c'est de les rendre plus utilisables. Et les rendre plus utilisables, ça veut aussi dire que vous allez pouvoir utiliser ces données, si vous voulez les exploiter, lors de vos analyses de type Big Data. Tim Berners-Lee a écrit effectivement plusieurs papiers. Donc le principe des données liées, c'est d'une part d'utiliser non pas une chaîne de caractères pour identifier des ressources, d'accord, mais des URI. Les URI, c'est ce que vous mettez dans votre browser quand vous naviguez sur le web. L'avantage que ça a, c'est qu'au lieu d'avoir typiquement population dans un document, vous allez avoir http://data.ign.fr/population et vous savez que vous êtes en train de parler de la population au sens de l'INSEE.
d'accord, qui peut correspondre à la population au sens de DBpedia, d'accord, et pas à la population au sens de, je ne sais pas, l'Inserm, qui risque d'être une population de bactéries, par exemple. Donc vous n'êtes pas en train de compter la population des bactéries que vous allez trouver dans la ville de Grenoble, mais la population de personnes, effectivement. Donc ces identifiants permettent de définir de quoi on parle. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils soient déréférençables, c'est-à-dire que quand on les met, quand on les met dans un browser ou quand on les demande sur le web, on obtient de l'information. Donc c'est le troisième point. Et cette information, ça doit être une description de la ressource, c'est-à-dire une explication par l'INSEE de ce qu'il entend par population. Que cette description soit donnée dans un langage que vous puissiez lire, ou qu'elle soit donnée dans un langage que la machine puisse interpréter. Et c'est typiquement le but des ontologies quand elles sont définies en Link Data. Et puis que les données soient connectées à d'autres jeux de données. Donc j'ai déjà parlé des technologies, ce sont des technologies très standards qui peuvent être utilisées pour publier ce genre de données. Alors je vais donner un exemple de ces ontologies. Ce que vous avez ici, c'est une espèce de table, un début de table avec des trous, qui décrit la région Île-de-France. Je n'ai pas encore adapté ça à la région Rhône-Alpes. Ça vient de jeux de données réels. Donc on a des départements que vous pouvez reconnaître avec leur nom parfois, avec leur population, la population totale, et avec le nom de leur surensemble. Donc ce sont trois départements de la région Île-de-France. Ça se représente en RDF par un graphe. D'accord. Donc les identifiants qui sont vus comme ça sont en fait des URI. Donc on peut les mettre sur le web, pas comme ça, mais dans leur forme globale. Et il y a des liens entre ces entités qui représentent exactement ce diagramme. Donc on peut passer de l'un à l'autre, en fait, et de l'autre à l'un. L'intérêt, c'est que on n'est plus dans une table, d'accord, et on a des entités et des liens entre elles. Et ça veut dire que quand vous aurez, donc je vais passer directement à ça, quand vous aurez d'autres sources de données, telles que celles de droite, qui sont cette fois-ci un découpage du territoire non plus sous forme de département, de circonscription administrative, mais sous forme d'académie, d'accord, vous allez pouvoir faire des liens entre ces types de données. D'accord, donc c'est en cela qu'on a un format qui est relativement universel. Vous avez énormément de mal à faire des liens entre des fichiers Excel, surtout quand vous les publiez et qu'ils vont se promener sur le web et qu'ils vous reviennent. D'accord. Par contre, en RDF, étant donné qu'on a des URI déréférençables, d'accord, les liens sont toujours des références à d'autres entités qui sont toujours au même endroit. D'accord. Je vais revenir un peu sur mes transparents là, pour revenir en arrière. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai ajouté des éléments ontologiques. Donc, j'ai décrit, par rapport à cette table, j'ai décrit que en fait, c'est chose qu'on a là, ce sont en bas des départements et en haut une région. Donc ça, c'est des choses qui sont tirées des ontologies. On est capable de définir le type des nœuds que l'on a. Et ça va nous donner des informations sur les attributs dont ils disposent et les relations qu'ils peuvent entretenir entre eux. Donc je vous ai dit qu'on pouvait avoir représenté le territoire de différentes manières, et on peut représenter à peu près tout de différentes manières, et il n'y a pas de raison de l'empêcher, et il n'y a pas vraiment de raison de chercher une manière unifiée de représenter tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement de pouvoir faire les liens. C'est parfois ce qu'on cherche dans les aspects big data, parce qu'on a beaucoup parlé du big data entreprise, où les gens maîtrisent parfaitement les données. On peut découvrir des choses très intéressantes en allant effectivement se connecter aux données qui sont disponibles ailleurs. Alors pas uniquement les fonds de cartes, mais typiquement les flux Twitter dans les événements sont des choses qui sont utilisées, alors je ne sais pas en France, je connais des exemples en Angleterre par les pompiers par exemple, hein, pour analyser les problèmes qui pourraient se poser. Une des choses que j'ai évoquées, donc ces liens là, ils sont un petit peu nulle part. En fait, on peut avoir sa propre représentation des départements hein, dans les académies et avoir les liens de cette manière-là. Donc il n'y a pas vraiment de problème à ce que les données soient dupliquées. Simplement, le type de lien dont on va disposer, et en particulier dans le nuage que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est de simplement dire, moi j'ai une certaine conception de ce que c'est qu'une académie, et puis ça couvre un certain nombre de choses qui sont appelées des départements. Et au fait, les départements que vous avez là, c'est les mêmes que les départements qui sont là. D'accord ? Et la nomenclature ici, elle est celle utilisée par Eurostat. Et l'INSEE utilise une autre nomenclature et identifie les départements d'une autre manière. Mais on peut lier ces choses-là afin de les exploiter.
Il reste 3 minutes. Hein, si eh bien, on va finir. Donc, pour qui ? Ben, en fait, ça s'adresse à beaucoup de personnes. Donc, on a vu la ville de Grenoble avant. Si vous êtes une autorité qui dispose de données, alors effectivement, c'est les autorités administratives, c'est exactement le cas. Mais on voit bien les instituts de géographie, les bibliothèques, sont elles-mêmes des référentiels. D'accord ? Donc, ils peuvent non seulement publier leurs données, les rendre disponibles, mais aussi les connecter à d'autres autorités. Si vous êtes quelqu'un qui sait comment lier les données ou qui a envie de le faire, ben vous disposez d'unités de référence pour le faire. Donc ça, c'est très pratique. Vous n'avez pas à réinventer votre carte du monde. D'accord ? Vous allez pointer vers les données des autres et quand un nouveau pays apparaît, ben il va apparaître assez naturellement. Et les choses évoluent quand les gens savent bien le faire. Typiquement, l'INSEE n'a pas que la découpage en départements qui existe actuellement, d'accord, mais à toute l'histoire des découpages administratifs qui sont publiés en données liées. Et si vous êtes un développeur d'application, ben vous pouvez utiliser ces données disponibles sur le web. Et j'attends effectivement beaucoup du SMTC, parce que moi j'ai participé à une application il y a très longtemps, et j'attends toujours le réseau, et j'aimerais bien le mettre en RDF, et je suis prêt à aider pour ça, bien sûr. De réseau de transport en commun de la ville de Grenoble. C'est pas si facile que ça. Donc l'un des avantages, c'est que ces données peuvent être complètement à jour, elles peuvent être publiées librement et on peut naviguer dedans. On a déjà parlé des 5 étoiles, donc je ne vais pas en dire plus. C'était présenté effectivement comme il faut. Et le but encore, hein, c'est que les gens puissent tirer le parti maximum des données qui sont disponibles. Et puis c'est ma conclusion en fait, hein. Pourquoi faire des données liées? Ben, c'est des données facilement réutilisables. Pour le producteur de données, c'est qu'on puisse les utiliser plus, et pour l'utilisateur de données, donc les gens qui font aussi du big data analytique, c'est qu'elles permettent de donner un contexte à leurs données et de savoir qu'est-ce qu'ils doivent chercher dans leurs données un peu plus facilement et avoir les sources de données. Voilà, je vous remercie.